Eh ouais, la musique dans ce jeu, c'est l'un des points forts de ce titre. Eh bien, salut à tous, c'est L4 et aujourd'hui, on se retrouve avec encore un jeu Flash, un jeu amateur, mais cette fois-ci, on n'est pas sur Newgrounds, on est sur ArmorGames.com. C'est l'une des particularités de ce jeu, on va en reparler. Et l'une des autres particularités de ce jeu, eh ben, c'est ce qu'on voit maintenant, c'est les temps de chargement. Ils sont assez longs, c'est pour ça que là je suis rentré dans le jeu relativement vite. Et encore, ça c'est rien, hein, quand on passe d'une zone à l'autre, on a ce rendering, vous voyez. Click to continue. Et est-ce que ça rame? Ah non, c'est mieux là. Manifestement, c'était à cause des bannières. Tout à l'heure, Midori, excellent. Tout à l'heure, j'ai fait un essai de capture. Et ça risque de ralentir un petit peu, parce que sur ce site, malheureusement, il y a des bannières de pub. Au-dessus du jeu, il y en a une. Et en dessous, il y en a encore une autre. Mais celles-là ne sont pas animées. Donc ça devrait aller un petit peu mieux. Est-ce que vous reconnaissez un petit peu l'interface? Regardez, le côté, le design graphique, la barre de vie en haut à gauche de l'écran, et même l'arbre de talent, regardez. Vous voyez, au niveau des icônes, au niveau des couleurs, ça vous fait penser à quelque chose, non? Voilà, vous voyez, ça c'est l'arbre de compétences. On a différentes, vraiment, on peut choisir, on peut respé à n'importe quel moment, vous voyez. Mais ça coûte 210, alors j'imagine que c'est de plus en plus cher, parce que la dernière fois c'était à 160. J'imagine que le prix augmente en fonction de notre level, voilà. C'est pas en fonction du nombre de respé, vu que là ça fait 4 fois que je respé au moins. Il y a certains boss qui vont vous demander de faire des respé. Hein. D'ailleurs, le boss final, si vous jouez comme moi en classe Warrior, parce qu'il y a 3 classes, 4 en mode premium, regardez, on voit à droite de l'écran. Expansion pack à acheter, 5 euros. Ouais, 5 dollars. Hein. Donc ça, c'est moins bien déjà. Si les jeux amateurs se mettent à le faire, ça, je suis contre. Voilà, autant vous le dire tout de suite. Mais je vous en reparlerai dans un autre jeu. Voilà. Alors ça, c'est la carte du monde, comme vous pouvez le constater. Il y a différents lieux. Ça, les zones de droite sur l'île, là, vous voyez que là, il n'y a rien. On est en droit de se demander pourquoi. Pareil, il faut acheter l'expansion pack, voilà, ça rajoute pas mal de choses. Donc la classe Hunter, hein, notamment. Il y a 3 classes, Assassin, Mage et Warrior, comme moi. Donc vraiment le bourrin de base. Le problème, c'est que si vous choisissez Warrior, contre le boss final, vous allez en chier. Voilà, il faut la jouer défensive. Ne prenez pas les compétences ultimes. De toute façon, il y a une vidéo sur YouTube qui m'a servi, moi, pour mon template. Et la stratégie, il faut vraiment la jouer purement défensive. Hein. Il n'y a pas de souci pour le boss final, sinon c'est impossible. Donc le nom du pseudo qui a envoyé la vidéo, il était tout content et tout, c'est marrant, ça m'a fait penser à mes épreuves. C'était un petit peu la même chose, il donnait ses stratégies et tout. Ça m'a bien fait marrer, mais c'est en anglais, voilà. Le nom du gars, c'est Amiral ATK ou je sais pas trop quoi. Bon, on va essayer. Nous, on part ici, vous voyez. Il y a trois villages en vert, là, vous voyez, des lieux calmes où on peut, de toute façon, je vais vous montrer, là. Bon, on y était déjà, mais bon, c'est pas trop grave. Je vais vous montrer Ryomura Village. Vous voyez ce que je vous avais dit? À chaque fois qu'on va passer d'une zone à l'autre, que ce soit village ou donjon, zone hostile, vous allez voir, où il y a des combats contre les ennemis, eh ben, on va avoir ça. Encore, vous voyez, là, c'est pas trop long. Hein. Mais la particularité, c'est que, normalement, dans la majorité des autres jeux Flash, que moi, je connais, en tout cas, eh ben, il y a un checkpoint automatique, hein, vous voyez, sauvegarde automatique en bas à droite de l'écran. Sinon, je peux le faire à n'importe quel moment en allant dans les options, là, vous voyez. Le problème, c'est que, comme vous pouvez le constater, save and exit game. Ça va quitter le jeu et on est obligé de revenir de recharger. Ça, c'est un petit peu naze quand même. Enfin, bref. Oui, parce que si on n'utilise pas la sauvegarde manuelle, des fois, avec la sauvegarde automatique, ça va vous ramener assez loin, quand même. Putain, le nombre de buffs que j'ai en haut à gauche de l'écran, c'est assez énorme, quand même. Regardez tout ça, là. Brutal Advantage, ça, c'est un skill. Et tous les autres, normalement, ou presque, ça, c'est compétence d'accessoires, j'imagine. Oula, j'ouvre mon bureau, parce que ma souris a bugué. Elle bouge toute seule, hein, des fois. Oui, oui, mais ça fait des années que je l'ai, donc lol, quoi. Et que ça me fait ça, donc c'est un petit peu relou quand même. Ouais, ça c'est mon écran d'équipement que je voulais vous montrer. Oui, donc le level cap, il est au niveau 20, ouais, c'est niveau 20 maximum. Encore une fois, avec l'expansion pack, c'est peut-être jusqu'au niveau 30, j'en sais rien. Voilà, c'est ça qui me donne l'état trans, vous voyez, mon bijou, mon accessoire. Et ça, c'est pour si vous portez un bouclier, j'imagine. Ou si on peut porter deux armes, peut-être en assassin. J'en sais rien, j'ai utilisé que cette classe. Mais j'imagine que d'une classe à l'autre, c'est beaucoup plus... ça change radicalement l'expérience de jeu. Voilà, la façon d'appréhender les boss, etc. Parce qu'il n'y a que en Warrior hein, que le boss, c'est une plaie. En assassin et en mage, apparemment, il n'y a aucune difficulté. D'après ce que j'ai lu. Je ne l'ai pas vérifié, mais bon.
Donc, vous voyez, la force qui fait la puissance de vos attaques physiques et la réduction des dégâts quand vous vous mettez en mode bloc, il faut faire comme ça, là, vous voyez. Appuyer sur la touche fléchée bas, s'accroupir pour parer les attaques. L'intelligence, donc ça, j'imagine que c'est utile surtout pour les mages. Ça affecte la jauge de SP en bleu, vous voyez, qui est de base et à 100. Là, elle est à 130 parce que, pareil, grâce à ça qui me rajoute plus 30 en focus, voilà. Et la transe qui favorise la régénération de cette barre, hein, qui sert pour les compétences. Regardez, là j'appuie sur la touche carré qui permet de donner des attaques physiques. Il y a un temps de recharge en bas à gauche de l'écran, vous voyez. Sinon c'est la touche 1. Moi je joue à la manette, hein, comme d'habitude avec Joy2Key. Touche 2, donc moi c'est la touche rond. Je donne une série d'attaques rapides comme ça, qui m'a coûté un petit peu plus de 10 SP. Vous voyez, en haut à gauche de l'écran, à chaque fois que je l'utilise, ça baisse la jauge. Voilà, donc pour les gens, ça c'est une donneuse de quête, vous voyez. Elle dit qu'elle a mal à l'estomac parce qu'elle a mangé un champignon toxique qu'elle nous a demandé de retrouver. Vous voyez, c'était planqué dans un certain décor. Vous voyez. Oui, donc si ça vous rappelle quelque chose, tant mieux. Sinon, eh ben, ça va permettre de voir si vous connaissez mes anciennes vidéos ou pas. Eh bien oui, ça devrait vous faire penser à Sony 1 et 2. Voilà, bon moi j'ai fait que le 1 en vidéo. Le 2, encore une fois, je suis bloqué au premier boss, mais j'ai pas réessayé depuis. J'ai jamais battu le premier boss, encore une fois, j'avais expliqué dans ma vidéo. Et vous voyez, on peut acheter des objets de soins. Voilà, moi j'en ai qu'un seul dans l'inventaire. Vous avez que ça, hein, entre guillemets, enfin que. C'est bien suffisant, mais vous n'avez pas de stockage. Vous n'avez pas d'autres sacs que c'est... Combien ça fait là? 12, 24 emplacements, c'est ça? Voilà, ça c'est un truc qui ne me ralentit pas. Je le garde... Ah ben si, justement, c'est celle qui me ralentit. Elle est meilleure que celle que j'ai maintenant, mais elle baisse Elle augmente de façon significative la force et la vitalité, mais elle baisse votre vitesse de déplacement. Voilà, donc c'est... On se déplace vraiment à deux à l'heure, hein. C'est horrible. La pioche pour miner des... Oui, oui, comme Bernard. Comme... qui permet de forer, entre guillemets, ouais. D'extraire des minerais. Voilà, c'est ça. Sinon, vous voyez, des élixirs, j'en ai jamais utilisé parce que ça court pas les rues. Les minerais, c'est pareil, hein, ça repop pas. Hein. Il y en a que 4 ou 5 dans le jeu et basta. Hein. Donc réfléchissez bien parce que ça permet d'améliorer mes armes. Vous voyez, comme ça, là. Enfin, votre équipement, n'importe lequel, pas forcément les armes. Vous voyez, j'ai utilisé 2 Shadow Gems sur mon arme, plus sur une autre pièce de stuff. Pareil, l'émeraude, 2 fois, qui augmente la vitalité de 10%. Et l'efficacité des soins aussi. Et ça, pareil, augmente la chance de critique de 2% x 2. Vous voyez. Et il y a les barres d'or aussi, hein, de l'or, hein, qui permet de... Ouais, comme Maison du Café. Qui permet de... Putain, ça y va, le recyclage des vieilles blagues. Ça, là, vous voyez. De base, la brutale charge et la passette stat. Hein. Je pense que c'est la meilleure arme du jeu. Sauf celle du boss final, mais j'ai pas réussi à la loot. Et je crois qu'on peut l'affronter qu'une fois, le boss final, donc, ou peut-être pas, j'en sais rien, j'ai pas réessayé. Et vous voyez, de base, elle a 110 en damage, par exemple, plus 6 en défense et plus 20 en strength, vous voyez. Bon là, j'exagère vraiment volontairement. Hein. Non seulement je l'ai upgradé avec le cristal, mais en plus, je l'ai amélioré 2 fois avec les barres d'or, qui permet d'améliorer la qualité. De votre pièce de stuff. Vous voyez, celle-là aussi, elle est transcendante. Incroyable. C'est le best, hein, je pense. Excellente en bleu. Vous voyez, celle-là aussi. Ah, c'est énorme. Paragon en violet. Vous voyez. Et donc voilà. Il y a un système un petit peu à la WoW, j'ai envie de dire. Bon, allez, on y va. Ça, c'était juste pour vous montrer un petit peu le magasin. Putain, ça rame dans ce village-là. Et là, vendeur d'armes à gauche et vendeur d'armure à droite, vous voyez. Là, j'ai 2600 Ryo, un espèce de kanji, je sais pas ce que c'est comme monnaie. En tout cas, voilà, je vous ai pas expliqué les rudiments du jeu, qui on est, qu'est-ce qu'on fout là, le scénario, etc. On est un shinobi, hein, on s'appelle Sinjid, d'où le nom du jeu. D'ailleurs, je vous l'ai même pas dit, je crois. Oui, donc, c'est la suite spirituelle de Sony, hein, le créateur Kirin. Voilà, je pense que ça se prononce comme ça. J'ai jamais su si c'était Kirin, Karin, ou Krin. Ouais, je pense que c'est Krin. Il a mis pas mal de temps, il a mis du cœur à l'ouvrage, hein, franchement. Un autre donneur de quête, là, vous voyez, celui-là. Je les ai toutes faites, normalement. Alors, il y a des médailles, hein, je peux pas vous les montrer. Mais c'est l'équivalent des... Ouais, ils appellent ça Quest sur Armor Games. Mais c'est les médailles sur Newgrounds. Mais c'est dommage que ce jeu, il y soit pas sur Newgrounds.com. Contrairement à Shinji... Oula, ça y est, je mélange tout. Shinji, excellent, le créateur de DBZ RPG et RPG, je savais que j'allais confondre, hein, de toute façon. Non, contrairement à Sony 1 et 2,
Celui-là, il est exclusivement sur armorgames.com. Donc voilà. Là, on va sortir du village, je vais vous montrer un petit peu des combats. Et donc, ben voilà quoi, c'est un petit peu dommage, ça j'ai trouvé. Mais bon, c'est comme ça. Et alors, la différence principale par rapport à Sony 1 et 2, c'est que c'est pas du tour par tour, c'est pas du RPG tour par tour, c'est de l'action RPG. Voilà, vous allez voir, on combat sur la map en version hack and slash, hein, vous allez voir, c'est tout un bordel. Est-ce que ça va aller si je me mets ici? Faudrait pas trop vous spoiler, hein, quand même. Là, je pense qu'on va affronter le boss... Le sub-boss, entre guillemets, donc le boss intermédiaire, voilà, c'est ça. Ils repop, eux c'est sûr, hein, on peut les affronter, ça peut permettre de level up, d'obtenir des objets intéressants, etc. Ouais, un système de loot, hein, vous voyez, un système d'ennemis qui lâchent des objets. Ils ont une chance de lâcher certains objets, alors quand on les tue. Et donc, de toute façon, je vais vous le montrer, hein, on va enchaîner les mobs, là. Ça devrait pas être trop dur, on est niveau 20 avec le meilleur stuff et tout. Donc voilà, encore une fois, les minerais, faites bien attention, réfléchissez bien à quels équipements vous voulez améliorer. Parce que j'ai pas l'impression qu'on puisse le faire éternellement pour sa saloperie. Oula, je les stun, et j'enchaîne les 500 points de dégâts. Oula, il y a des sauts d'image, là. Ça rame un petit peu à cause de la capture. Bon, lui, il a rien loot, sinon il brille en jaune. Et moi, j'ai un œil qui brille, vous voyez. Ça me rappelle fortement quelque chose, mais bon... putain, j'enchaîne les critiques et je les tue en un seul coup, bien joué. Plus 5 en gold, vous voyez. On n'a pas de chance avec les loot. Et, ben ça, voilà, c'est une pièce de stuff, c'est notre casque qui nous donne ça. Trop relou, hein, les casteurs. Oula, là, ça, je suis empoisonné, là, vous voyez. Là, ça rame comme c'est pas permis, je les interrupte, vous voyez. Et là, je les stun. Avec certaines compétences, encore une fois. Vous voyez, les chiffres en jaune, quand l'écran tremble un petit peu, ça, ça nous donne, ça c'est objet de régénération encore une fois. Au début vous n'allez pas en avoir besoin, là on est en mode normal, hein, 3 modes de difficulté, easy, normal, hard. En mode normal il n'y a aucune difficulté la plupart du temps, surtout au début du jeu. Franchement vous n'allez même jamais avoir besoin de vous soigner parce que les points de vie et les SP remontent automatiquement, hein, vous voyez en haut à gauche de l'écran. Et donc voilà, oula mais qu'est-ce que c'est que ces conneries là. Putain, mais c'est clair qu'il y a beaucoup de sauts d'image, hein, encore pire que d'habitude. Ça arrive quand il y a beaucoup d'ennemis à l'écran, mais là je pense que c'est à cause de la capture. Ma merde, je vous ai pas montré ma touche, ma cinquième compétence là, vous voyez. Lui, il a loot des crab claws, excellent. Pour ce... il y a pas mal de sortes de bouffes différentes, qui ont différents effets, hein, d'ailleurs, des bonus la plupart du temps, vous voyez. Game saved, c'est le boss optionnel lui. Hein. Et voilà, vous voyez, comme c'est stylé. Et donc, là-dedans, il y a du poison. Voilà, mais j'en dis pas plus. Et lui, il a la loot Web Armor et Elixir of Healing, vous voyez. Si vous voulez en avoir à l'infini, bah, il faut farmer ce boss-là. Le problème, c'est qu'il faut sortir du donjon et revenir à chaque fois. Alors, voyons voir. Oui, les skills sont très importants. Hein. Il y en a certains. Celui-là, là, c'est obligatoire d'avoir le Kunai Sting pour obtenir un certain coffre. Voilà, même s'il n'est pas très utile pour les Warriors, mais bon... ça fait une chaîne qui permet d'attirer les ennemis et de les ramener vers vous, voilà, pour ceux qui s'enfuient par exemple. Parce que les ennemis sont assez différents les uns des autres, hein. Franchement, il y en a qui utilisent le poison comme ceux qu'on a vus tout à l'heure, là. Il y a les mages qui sont de très loin les ennemis les plus relous du jeu. Il y en a qui vous font des dégâts monstrueux et qui arrêtent pas, ils vous ralentissent et ils se téléportent de l'autre côté de la salle. Donc pour les avoir, c'est relou, dont l'utilité d'avoir ça. Ça, c'est la compétence ultime pour qui fait un maximum de dégâts. Ce truc-là, là, vous voyez. C'est assez stylé, encore une fois. Et donc, ben voilà, comme vous pouvez le constater, le jeu, il est quand même extrêmement différent de Sony. C'est beaucoup plus action, vous voyez. C'est beaucoup plus hack and slash, encore une fois. Beaucoup plus temps réel, vous voyez. Sur les combats directement sur la map, sans passer par des menus, sans utiliser de commandes. Oula, mais il se soigne, lui, petit à petit. Ça doit être la prieste qui lui a fait ça. Donnez-moi vos objets. Voilà, gimme your money, encore une fois. J'aimerais bien vous montrer des séquences d'escalade sur les murs, parce que ça, c'est vraiment pas mal. Bon, c'est des wall jump, hein, voilà, tout ce qu'il y a de plus basique. On doit en utiliser à certains moments du jeu. Oula, écran noir. Voilà, ça arrive de temps en temps. Et check the bamboo. Voilà, mais j'en dirai pas plus. Et donc, bah voilà, quoi, c'est un petit indice. Ah, il aime bien le teasing, hein, L4, sérieux, regardez. Hop, je vais l'achever comme ça. Splendide. Ouais, ça rigole pas, hein, 1000 points de dégâts. Donc, il y a toujours ce petit côté RPG, vous voyez, qui était propre à Sony. C'était un petit peu la même interface, hein, c'est pour ça que je vous ai demandé si ça vous rappelait quelque chose et tout. C'était un petit peu le même style.
Et donc voilà, putain, m'empêche de passer. Tiens, prends ça. Et donc, bah voilà quoi, c'est sinon potion, vous voyez, avec la touche 3. C'est pas des potions à utiliser, où là je brille en bleu. Oh putain, 2 fois 2000 points de dégâts. Énorme. Encore que c'est pas mon record, hein, je me rappelle plus de c'est quoi mon record de dégâts. Mais en tout cas, voilà. Bon, qu'est-ce que... Je voulais vous montrer quelque chose. Le quest log, il est vide, vu qu'on en a plus, c'est la fin du jeu. Hein, mais il n'y a pas vraiment de fin à proprement parler, il n'y a pas de crédit de fin. C'est ça qui est un petit peu étonnant quand même. Ouais, je voulais regarder ça. Pour quality, vous voyez, c'est le plus pourri, hein, donc voilà, c'est aléatoire encore une fois la qualité que ça a. Bon ben voilà, hein, franchement, on peut pas se TP malheureusement, on est obligé de revenir en arrière à chaque fois. Donc là, j'aimerais vous montrer une séquence de saut sur un mur, mais j'en trouve pas malheureusement. Vous voyez, si je me mets ici, là, ça va pas aller. D'abord, je me mets ici, et ensuite, ah merde, je suis sûr que je peux y arriver. Des fois, la musique se coupe, et il y en a pas pendant plusieurs secondes, jusqu'à que le loop reprenne, c'est un petit peu relou. Ah merde, j'y arrive pas. Oui, il y a un système de wall jump, mais je vous montrerai, on va sortir pour vous montrer un petit peu autre chose. Ouais, donc voilà, quoi, c'est Sony, c'était vraiment du RPG, un petit peu genre FF, hein, si vous vous souvenez de ma vidéo. C'était vraiment du tour par tour. C'était d'abord moi j'attaque, et ensuite c'est à toi. Un petit peu du CTB. Et donc, ben voilà, quoi, c'est vraiment... on affronte les ennemis comme ça sur le terrain, sans temps de transition, et il y a des phases d'exploration, vous voyez, à pied. Ça, c'est énorme par rapport à Sony. Je trouve que c'est vraiment l'ajout majeur. Et encore une fois, il y a pas mal de lieux différents. Mais les salles, c'est presque toujours la même chose, hein, vous voyez. On rencontrera toujours un petit peu les mêmes caisses, les mêmes tables avec du riz posé dessus, les mêmes bambous, les mêmes barrières, vous voyez. Ça, c'est vrai que c'est pas trop... C'est pas trop compliqué à ce niveau-là. Mais il y a tellement de maps que moi, déjà, je trouve que c'est suffisant, quand même. C'est toujours des maps linéaires, hein, vous voyez. On doit sauter quelques obstacles comme ça. Rarement utiliser le wall jump. Faire des sauts millimétrés. Parfois, ça arrive. Vous voyez, comme pour monter là-dessus, par exemple. Si jamais on peut. Et donc, il y a un petit côté plateforme, mais il est pas trop présent. Hein, vous inquiétez pas. Il y aura pas trop de séquences avec un trou... vide qu'on doit sauter au millimètre près. Non, vous inquiétez pas, c'est avant tout de l'action, hein. Donc voilà, et un petit côté RPG encore une fois, côté quête aussi, vous voyez, avec la parlotte, avec les PNJ. Alors attendez, où est-ce que je pourrais vous montrer quelque chose. The White Forest, Bandit Hill, l'un de ces trois là. Bah, allez, on va essayer celui-là. Je cherche un endroit avec un mur, voilà, pour vous montrer le wall jump. De toute façon, c'est pas grand chose, hein. Il faut juste maintenir la touche fléchée haut. Enfin, moi, c'est celle que j'ai utilisée pour sauter. Plus la touche fléchée droite, vous voyez, pour se coller à un mur. Et on va glisser, faire une glissade qui va nous faire tomber progressivement au ralenti. Et donc, il faut re-appuyer sur la touche de saut pour... je suis toujours obligé d'utiliser le clic. Vous voyez, environnement de neige, là. Mais vous voyez, les mêmes barrières, les mêmes buissons, les mêmes lanternes, comme je vous l'avais dit. Et toujours des maps très droites. Ouais, bien, le cerisier en fleurs. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans? Non. Prends ça, je t'attaque par derrière. Bon, ils sont vraiment pourris, hein, ça fait vraiment partie des... C'est les tout premiers mobs du jeu. Ça fait partie des premiers donjons du jeu, donc voilà. Alors, est-ce que vous allez vous décider à me montrer une... Là, ça rame plus, là, vous voyez. Voilà. C'est bien, la tache de sang en haut de l'écran, là, avec le nombre de gold et d'expérience que ça nous rapporte. C'est en pourcentage, voilà, c'est pas en points. Donc, et on vérifie dans le menu. Ça c'est le mid-boss, là, non? Non. Et donc, alors, est-ce qu'il y aura enfin une... Regardez, je vais... Regardez, tant de cast, là, vous voyez? On le voit, là. Sur le 1000 points, en un seul coup. Vous voyez? Sur l'ennemi, là. On voit son temps de cast. Ça peut vous permettre de savoir quand vous devez utiliser la deuxième compétence. Vous voyez la jaune en bas à gauche de l'écran là, qui permet d'interrupter le cast d'un, pas seulement d'un mage, hein, d'ailleurs. Ah, c'est lui le mid-boss. Voilà. Edge Retainer of the Oda Family. Voilà. Non, c'est pas Ranmaru Mori. Et donc, putain, mais ils sont pas décidés à me foutre du... Vous voyez, ils nous parlent des fois, là, il m'a stun. Bien joué. Il faut bien gérer l'appui sur les touches, hein. Il faut bien gérer le moment où on va utiliser telle ou telle compétence. Et encore une fois, c'est vous qui gérez, hein, si vous prenez des compétences plus défensives, plus puissantes, comme là, c'est ce que j'ai fait, vu que j'ai battu le boss final, j'ai respé après. C'est vous qui choisissez, voilà. Donc ça, vous voyez, déjà, cet aspect-là, c'est vraiment pas mal. Mais c'était déjà présent dans Sony, encore une fois. Donc on retrouve ça. Vous voyez, il a voulu proposer quelque chose de plus... De plus différent.
de singulièrement différent quand même que Sony 1 et 2. Au début, j'étais vraiment pas convaincu hein, par ce jeu. Je vais vous dire dans quel état d'esprit j'étais quand j'ai joué à ce jeu la première fois. Bah déjà, il est sorti. Non, sans blague. Parce que moi, j'ai vu le poste sur si on des portes où on peut rentrer, là, vous voyez. Et différents embranchements. Voilà, là, j'imagine que pour continuer, il faut d'abord aller à droite, là. Oui, je n'étais pas convaincu par ce jeu. J'avais vu une news sur son dernier billet, son dernier poste sur Newgrounds, à Crean. Ouais, bien, le wall jump, c'est nickel. Là. Regardez, je vais pouvoir vous montrer. Vous voyez ? Je me laisse glisser donc en maintenant la touche de droite, donc en la direction du mur. Hein. Et là, pendant que je suis en séquence de glissade, eh ben j'alterne entre gauche et droite, là, vous voyez. C'est pas évident. Ah ben merde, je me suis foiré. Bien joué. Vous avez vu qu'il y avait un coffre hein, en haut, avec le petit commentaire du héros. Ça m'a bien fait rire, des fois, l'humour. Bon, là, il y a des parlottes avec les PNJ, hein, même si au niveau du scénario et tout, c'est assez classique, hein, c'est une histoire de trahison, une histoire d'honneur des ninjas, etc. On incarne un prisonnier, voilà, il est prisonnier parce qu'il est suspecté du meurtre de son maître, voilà. C'était l'un des meilleurs ninjas et, qui existait. Donc c'est pour ça que ceux qui nous retiennent prisonniers, eh ben, nos geôliers, voilà, c'est ça, ils sont... Ah, mon inventaire est full, déjà, ben, et donc, c'est assez hallucinant. Donc là, je suis obligé soit de manger de la nourriture... Ouais, comme ça par exemple, avec Hit, voilà, c'est comme ça que je me soigne. Et ça m'a fait un buff temporaire, ça là normalement, vous voyez. Augmente toutes les stats de 5%, mais ça s'estompe au bout d'un moment, mais c'est pas marqué malheureusement, vous voyez. Mais un petit peu comme certaines bouffes dans WoW, sinon je peux les discard, vous voyez, je peux les jeter comme ça. Et les organiser comme je veux, vous voyez, c'est vraiment pas mal foutu de ce point de vue là. Et les buffs sont différents pour chaque... vous voyez, ça ne buff que la vitalité, vous voyez. Pour chaque machin, voilà, chaque nourriture. Attends, c'est un boss, ça. I knew they would find me eventually. Putain, on peut réaffronter les boss. C'est énorme, sérieux. Ouais, ça, c'est l'un des boss. Bah, ça va me permettre de vous montrer un petit peu un combat de boss. Même si... Ah bah, il est mort. Même si ça va pas durer longtemps. Voilà, c'était Warlord, le seigneur de guerre Izumi, vous voyez, qu'on vient de battre. Ah, une small silver key pour ouvrir les coffres fermés. Voilà, mais de toute façon, il n'y en a pas beaucoup, je pense. Ok. Bon, ben voilà, on a torché ce donjon vraiment très rapidement, là, vous voyez. Mais c'est normal, hein, quand vous arrivez là la première fois, vous n'êtes pas overpowered avec le stuff ultime que... Le stuff ultime que j'ai. Voilà. Donc, encore une fois, on peut lancer... Sinon, dans les talents, il y a un shuriken. Un lancer de shuriken, on peut le faire à distance, vous voyez. Admettons que l'ennemi soit la deuxième lanterne et que moi, je suis là. Et ben, je balance mon shuriken et je l'atteins, voilà. Et ça, ça a différents effets, hein. Ça peut le stun, voilà, c'est votre meilleur stun, hein, d'ailleurs. C'est un skill assez important. Et ça peut faire autre chose, je crois, mais je m'en rappelle plus trop. Ben, c'est ça, l'effet secondaire, non. On va vérifier, de toute façon, encore une fois, dans le menu C, vous voyez, c'est ça, là. Ouais, c'est ça, ça le stun pour 8 secondes, quand même, hein. Voilà. The cooldown is increased by 15 secondes. Ah ouais. Donc vous voyez, au lieu d'être 7,5, et eh ben c'est 15 plus 7,5. Voilà. Mais on peut augmenter sa puissance, vous voyez. C'est nous qui gérons. Voilà, ça encore une fois, j'ai vraiment trouvé ça pas mal. Donc oui, des choses très importantes certainement pour finir. Je pense qu'on va se quitter là-dessus. Je dois en parler parce que ça, c'est vraiment très important. L'état d'esprit, enfin quand j'ai commencé à jouer à ce jeu, il m'a fallu vraiment plusieurs dizaines de minutes hein, avant de vraiment pouvoir me lancer dans ce jeu. Moi, mon navigateur internet, c'est Mozilla Firefox. Voilà. Ok, cool story, bro. Non, mais c'est normal que je vous en parle, c'est parce que... avec AdBlock Plus, voilà. L'add-on, l'extension qui permet de qu'on peut aussi utiliser avec Chrome. Parce que là, on est sur Chrome, hein, voilà. Si j'essaye d'y jouer avec Firefox Plus, AdBlock Plus, justement, c'est le cas de le dire, eh ben, ce jeu, il va tourner à 5 FPS. Il va être injouable, voilà. Et donc, si vous voulez y jouer avec une vitesse optimale comme ça, même si vous avez AdBlock et que vous le désactivez, ça marche pas. Il faut que AdBlock ne soit pas installé. Voilà, c'est pour ça que là, on est avec Chrome. Hein. Là, j'ai pas installé ABP sur Chrome. Et là, j'ai une vitesse de jeu optimale, là, vous voyez. Et donc voilà, quoi. C'est parce que même si AdBlock, il nous donne des conseils, sinon, vous voyez, type en bas de l'écran, là. Il est installé, mais désactivé, uniquement pour cette page, par exemple. Ça marchera pas. Ça ramera toujours comme c'est pas permis. Moi, je me suis demandé pourquoi, hein, même en mettant la qualité
sur l'eau, là on est en médium là. Eh ben alors L4, qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as le hoquet? Bouh! Voilà, je t'ai fait peur, maintenant t'as plus le hoquet. Ah, thanks! Et donc, ouais, Midori. Ouais, ça c'est un personnage, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. C'est le personnage, un personnage important, voilà, qu'on va rencontrer à certaines occasions. Celui-là aussi, personnage très important, Shigeru, voilà, Miyamoto. On doit le délivrer à un certain stade du jeu, il est retenu en otage par nos ennemis. C'est le seul PNJ du jeu qui peut non seulement nous vendre, on va vendre d'ailleurs un petit peu notre stuff, ça me permet de vous montrer un petit peu comment ça marche. Ouais, des fois il nous demande oui, alors que ça coûte rien. C'est sûrement au niveau de la rareté, hein, je pense. Ouais, là il nous demande pas, là, si on est sûr de le vendre, là il nous demande. Vous voyez? Et donc, il y a sûrement moyen d'aller plus vite, hein, pour la vente. Mais bon, moi je vais faire un par un comme ça. Et donc, ben voilà quoi, c'est vraiment... C'est vraiment un bon jeu, vous l'avez compris, hein. Moi franchement j'ai adoré Singed. J'ai été totalement convaincu après quelques minutes de jeu. J'ai vraiment apprécié le gameplay, l'ambiance, les musiques, hein, énormes. Très important les musiques. Elles sont vraiment excellentes, je trouve. Et donc voilà, le gameplay c'est pareil, hein, les stratégies contre les boss, etc. J'espère que j'ai pas vendu d'items importants. De toute façon, moi je vais vous laisser là, hein, je vais poser la manette. C'est pas un plan très super beau. Très magnifique, hein, pour... Oui, il pleut, c'est pour ça. un décor, une belle image, quoi, pour se finir. Mais bon, c'est pas trop grave, quoi. Sinon, je finirai jamais ce que je dois vous dire, comme d'habitude. Donc voilà, très important, hein, si vous voulez jouer à ce jeu, avec une vitesse de jeu optimale, un confort de jeu optimal, vous voyez, comme là, et ben, vous devez... On va draguer Midori, voilà, pour finir. Et ben, vous devez... Tu veux voir ma lance? Et ben, coucou. Non, c'est trop tard, L4. T'as raté. Et ben, il fallait le dire plus tôt. Ben, voilà, il faut jouer. Il ne faut pas avoir Adblock Plus. Soit vous faites comme moi, soit vous n'avez pas Adblock, et dans ce cas-là, vous n'aurez pas de problème. En tout cas, voilà. Je trouve vraiment ça relou, ces pubs, sérieux. Ça bouge dans tous les temps, dans tous les sens, et ça fait ramer. Donc, vous voyez, ça revient au même que d'avoir Adblock. Non, c'est pire, hein, quand vous avez Adblock. Ça rame juste un petit peu plus quand c'est des bannières qui bougent sans arrêt. Mais moi, ça me dérange, quoi. Ça me déconcentre ça, quand je joue. En tout cas, voilà. Bref, c'était une petite parenthèse. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre que de très important à vous dire sur ce jeu? Bah ouais, il n'est pas sur Newgrounds. Donc, ne le cherchez pas, hein, sur newgrounds.com. Il est uniquement sur armorgames.com. Oui, quand j'ai vu donc l'annonce... Le billet qu'il a posté sur Newgrounds, hein, son dernier message pour donner un petit peu de ses nouvelles sur Newgrounds, il disait que le jeu, qu'il était en train de le développer, que la bêta était disponible, je crois, et que ça allait être son meilleur jeu. Ben, peut-être, hein. Moi, je trouve que c'est pas trop comparable. Voilà, parce que Sony, je crois que la durée de vie était beaucoup plus... était plus longue. Hein. Là, en une après-midi, je l'ai torché, le jeu. Mais c'est parce que j'ai fait que ça aussi. J'étais vraiment à fond dedans, tellement ça m'a plu. Ou en une ou deux... Un ou deux jours, voilà. Mais c'est quand même pas mal, hein, franchement. Je vais pas dire de nombre d'heures, parce que malheureusement, il y en a pas. Mais je pense que c'est quand même relativement long, hein, pour un jeu d'action, entre guillemets, un action RPG. Non, c'est un jeu réussi, c'est clair, il n'y a pas de souci. Moi, je vous le conseille, hein, de façon, Singed, ce sera le premier d'une longue série de vidéos, entre guillemets, de jeux Flash. Mais je vais peut-être pas les faire à la suite, parce que j'en ai au moins 5 ou 6, hein, Singed exclu. Donc j'en ai encore 5 ou 6 autres à vous présenter de jeux Flash. J'étais à fond, hein, il y a quelques jours, là. Il y en a quelques autres que je dois vous faire. Mais peut-être que j'espacerai, voilà, que je ferai peut-être des jeux oldies, des démos 360, parce que j'ai pas envie de faire que ça non plus. On verra bien. De toute façon, vu que là, en plus, je suis à une vidéo par semaine, c'est encore pire, malheureusement. Donc vivement la fin de l'épreuve, les nets. Parce que je trouve que ça traîne un petit peu trop, mais je vous en parlerai un petit peu plus tard. Bon, voilà. Moi, j'en ai fini à peu près là-dessus. Oui, les potions, elles sont illimitées. Vous voyez, touche L1 que j'ai choisi, là. Ça me soigne. Et ça peut même me rendre du SP, hein, du focus, si je l'améliore dans les talents. Vous voyez, ça touche vraiment à tout et n'importe quoi. Par contre, le cooldown, il est long, hein, dis donc. Mais encore une fois, on peut le réduire avec les talents. Mais c'est illimité. Ça vient pas se placer dans l'inventaire. Les potions, c'est infini. Voilà, ça, c'est pas mal, franchement.
Donc ça vous aide bien quand même. Bon ben voilà, je pense en avoir fait à peu près le tour sur Singed. C'est pas facile à dire, mais... et bonjour les lapsus, hein, j'ai envie de dire. Mais franchement, c'est un excellent jeu que je vous recommande, si vous aimez bien les action RPG. Voilà, les, un petit peu les hack and slash comme ça, avec un petit, petit côté RPG. Voilà, donc le jeu est resté en anglais, hein, sinon vous voyez au niveau des textes, petite précision sinon, si vous vous posiez la question, mais... Vous l'avez remarqué, je pense, depuis le début. Est-ce qu'il y avait vraiment rien d'autre que je voulais vous dire sur Singed? Non, moi, ça me fait plaisir, hein, franchement, que Kryn, il continue à sortir des jeux. Moi, je suis vraiment fan, hein, de ses créations depuis le tout premier Sony. Il y avait aussi, par rapport à ça, Singed, il y avait déjà un jeu Flash qui s'appelait Singed. C'est pas une franchise qui est nouvelle, hein, mais c'était vraiment, c'est un truc qui a été fait en 2004, 2006, vraiment les premiers. Et quand tu vois l'interface et tout, tu vois que c'est très vieillot, quoi. C'est très basique et tout. Donc j'ai pas connu, hein, j'ai été voir vraiment par curiosité, mais j'y ai pas joué plus que ça. Donc ça, c'est assez énorme quand même de voir la continuité. Voilà. Bon ben voilà, moi je pense en avoir fait à peu près le tour, c'était à peu près tout ce que j'avais d'important à vous dire, je pense pas qu'il y ait d'autres points importants. Bah si, sinon c'est les temps de chargement, voilà, surtout le tout premier, le chargement du son. Quand vous allez, par exemple là, si je refresh la page, le temps de chargement il va être horrible, quoi. Bon, c'est pas une minute, mais c'est facilement en 30 secondes, hein. Voilà, et à chaque fois, donc vous voyez... C'est un petit peu relou, sinon vous pouvez choisir de le skip, voilà, parce que c'est un chargement indirect, enfin j'y connais rien, donc je sais pas trop comment il avait expliqué ça déjà. Mais vous n'aurez pas de son, voilà, vous pourrez jouer direct, mais vous n'aurez pas du tout de son, voilà, donc c'est un petit peu dommage. C'est vous qui choisissez, moi j'ai choisi d'attendre à chaque fois, c'est dommage de se priver du son, parce qu'ils sont vraiment bien encore une fois, et musique et bruitage. Et donc voilà, après vous aurez occasionnellement d'autres temps de chargement... Sinon voilà, c'était à peu près tout ce que je voulais vous dire. Bon et voilà, c'était LK, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et si c'est le cas, je vous dis à la prochaine. Allez, à ciao les gars.